Bon matin, ma gang de Facebook, perte de poids. Je voulais vous faire des petites nouvelles de moi. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais en faire un ce matin. Concernant ma perte de poids, j'ai pas maigri cette semaine. J'ai pris 1,5 livres. Par contre, le point positif dans mon 1,5 livres, j'ai pris mes mensurations au niveau de ma bedaine. Et j'ai un pouce de moins, donc voici ma victoire. Je suis quand même en vacances, fait que c'est sûr que c'est un... Je bouge beaucoup moins qu'à la normale, là. C'est des vacances vraiment pour me reposer. Aujourd'hui, je suis ici à la ferme Miboulé, suite à une lecture de livre là, qui s'appelle « Tous gros demain ». Dans le fond, on pourrait dire « On est tous gros maintenant », là, mais c'est un vieux livre. C'est pour dire que le tous gros demain, là, ça dit en gros que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on est comme Thomas, là, faut tout que ça soit tangible ici maintenant. Ben dans le livre, il disait que justement, là, selon la bête qu'on mange, la viande ou même la poule, si c'est bien nourri, ben nous, on devrait en bénéficier là, du bienfait de ça. Fait que si à la ferme Miboulé, là, eux, qu'est-ce qu'ils font de différent de tout le monde? C'est que c'est vraiment comme... c'est un élevage, là, petit élevage. Si je me tourne, là, vous allez voir. C'est un petit élevage qui, eux, dans le fond, ils font... ils nourrissent en partant là, à la graine de lin. Fait que la graine de lin, c'est un oméga-3. L'oméga 3, c'est très bon pour le système. On n'en mange pas assez. C'est un anti-inflammatoire. Puis si, mettons, on compare à un bœuf ordinaire, le bœuf ordinaire, lui, c'est il est nourri à l'oméga 6. Puis l'oméga 6, ça, c'est tout ce qui est le végétal, le maïs, tout ça. Fait qu'à partir de ça, voici le pourquoi que je suis ici aujourd'hui. C'est pour m'acheter de la viande nourrie à la graine de lin qui va fournir un oméga 3. C'est sûr que les prix sont... Je ne vais pas rentrer encore, là, je viens juste d'arriver. Ils sont plus dispendieux, par contre, de meilleure qualité. Je vais essayer de me concentrer sur la quantité et non sur la qualité et non sur la quantité. Normalement, j'ai tendance à vouloir manger là, énormément, même si je fais attention, là. Je vous dirais, côté alimentation, ça va bien pour moi. Les seules compulsions que j'ai faites, c'est dans les betteraves à ma mère. Je vais juste vous montrer la petite maison, comme ils ont fait des petites chaises ici à côté d'une petite chute d'eau à côté de la maison. C'est vraiment beau. Dans le fond, c'est ça que je voulais dire, les compulsions, j'ai pas vraiment fait de compulsions alimentaires. Je pense juste parce que je bouge moins là, que j'ai eu... pas de perte de poids cette semaine. Par contre, je me décourage pas, c'est du long terme, comme je vous le dis. Et là-dessus, je vous souhaite un bon 24 heures. Et ici, Capitaine Keto, en direct des fermes Miboulé.